nous-sommes-christ-et-quality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints, le docteur Albert Kalokabunda, ministre de l'Évangile éternel, auteur de plusieurs enseignements, d'un talent oratoire exceptionnel, infatigable prédicateur et passionné défenseur de la saine doctrine, redoutable débatteur biblique, sérieux démystificateur des faux apôtres, des faux Christ et des fausses doctrines dans ses enseignements, a confié l'Évangile à plusieurs, une vraie référence généalogique pour beaucoup dans l'Évangile éternel. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 30 longues années dans le ministère de la parole du Christ. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Et sur christequality.com/albertkalo.html. Là, vous y trouverez tous les enseignements disponibles en texte, classés en ordre. Vous y trouverez également tous ces enseignements en audio, classés et ordonnés. Sans oublier d'y trouver tous ces enseignements en vidéo, classés en ordre. Nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa propre page web plutôt que sur YouTube. Mais n'oubliez pas, le docteur Kalo enseigne aussi en direct. Écoutez-le tous les jours à la radio évangileéternel.com. Et suivez ses enseignements chaque jour à l'Évangile Éternel TV. Évangileéternel.com, venez écouter le pourquoi de chaque choix, de chaque choix, de chaque choix, de chaque choix, de chaque choix. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur chacun de nous. Nous sommes bénis par ta présence. Sois aussi béni par la présence des autres. Nous allons tout faire pour aller vite aujourd'hui. Je commence avec le chapitre que nous avons vu hier, Deutéronome, chapitre 13, verset 1, si je ne me trompe pas jusqu'au verset 5. Mettez-vous debout pour la lecture de sa parole. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait l'accomplissement du signe ou du prodige, dont il a parlé en disant, allons après notre Dieu. Des dieux que tu ne connais pas, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu. De tout votre cœur,
et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni des morts. Car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la main des servitudes, de la raison de la servitude. Et il a voulu détourner de la voie de laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu oseras ainsi devant le milieu de toi. Et nous allons ici lire Job chapitre 1. Je vois le verset 8. Yahweh a élu Satan. A-t-il remarqué mon serviteur Job? Yo, au moins à qui vous savez n'a pas yo. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il est un Dieu. Et se détourne du mal. Satan répondit à l'Éternel. Et c'est de façon désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas entouré de ta protection? Lui et sa famille et tout ce qui lui appartient. Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux pour le pays. Mais porte donc la main contre lui. Touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudira en face. Et à Satan, Yahweh a élu Satan. Voici tout ce qui lui appartient. Amen. 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 Et Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je commence par vous présenter des excuses. Nous avons souhaité commencer à l'aide. Malheureusement, notre apôtre bienfait, qui était parti chez lui, il est venu me prendre des lettres que vous me voyez venir. C'est pourquoi, ensemble, nous demandons nos excuses. Dimanche, c'est avant-hier. Quand il y a eu la pluie, il y a ceux qui n'ont pas vu mon visage. La pauvre bien fait. Thomas bien fait. Il est parti en disant qu'il est allé, mais il allait revenir pour nous prendre la vendeuse. Nous avons attendu à 22h. Je l'ai vu que vers 14h25. Il a dit que quand il est allé dormir, avec des poutines ou des médicaments qu'il est en train de prendre, il est parti pour se réveiller à 0h.
C'est pourquoi ensemble nous présentons Paul nos excuses. Parce que quand on dit on sera là à l'heure, il faut être là à l'heure. Et c'est très important pour que l'Esprit de Dieu apprenne le peur. Ça, c'est notre travail. On n'a pas un autre travail. Nous sommes engagés que pour ça. Quand c'est le vendredi, c'est le dimanche, normalement, les hommes de Dieu qui ne font rien que ces services doivent être dans le temple avant l'heure. Cette fois-ci, je crois que demain, je serai là à l'heure, moi. Diable n'aura plus l'occasion de profiter à travers la porte. Il faut qu'il y ait de telles choses parce qu'il y a certaines personnes parmi nous. Peut-être pour toi c'est pas utile. Mais l'autre c'est très utile. Il peut être là, il fait que goûter. Alors soyons un peu prudents. Nous avons dit l'influence d'un homme qui dit la chose et la chose arrive. Avant de continuer mon enseignement, j'aime toujours faire une petite récapitulation. Le prophète Moïse dit, quand il se révéla au milieu de vous, un prophète qui prophétise et la prophétie connaît l'accomplissement. Cela risque de vous influencer. Vous savez, les gens qui se sont proclamés de Dieu dans les églises, ceux qui ont réussi à diviser les églises, c'est toujours les gens qui ont de l'influence. Les gens qui ont de l'influence, influence à partir même de son ministère, ou à partir du temps que Dieu lui a donné, ou à partir des choses que Dieu fait avec lui, ces gens-là finissent souvent par traîner les gens derrière eux. Même quand ils sont déjà dans une erreur. C'est ça que Dieu est en train de dire à travers le prophète. Même si quelqu'un prophétise et que la chose arrive, mais qu'il n'arrive pas à t'entraîner derrière lui. L'être humain est faible. Faible vis-à-vis des choses spéciales qu'il voit à travers l'autre, ça peut l'influencer de devenir fanatique de cet homme-là. Le Seigneur nous met en garde. Le Seigneur te met en garde en disant que s'il prophétise, s'il guérit le malade, quand il prêche, il prêche très bien, mais faites attention.
l'intention de ne pas se laisser traîner derrière ce qu'on a. Alors il faut vérifier le reste de ce qu'il dit par rapport à la parole du Seigneur. Il faut chercher à tout vérifier par rapport à la parole. Ça veut dire ceci. Derrière une manifestation divine, Satan souvent aussi se cache. Est-ce que vous me suivez? Derrière toute manifestation de Dieu, est-ce que vous me suivez très bien? Derrière un bon enseignant de la parole, quelqu'un qui enseigne très bien la parole, c'est lui qui apporte bien la prophétie, c'est lui qui est bien renommé dans l'église, se cache Satan. Alors il faut voir souvent derrière cette manifestation, c'est lui qui est caché. Ne vous laissez pas influencer, entraîner par la manifestation divine. Je dis amen à la manifestation divine. Tu restes vigilant par celui qui sera derrière. C'est ce que les assemblées des saints n'ont pas su. Derrière la vraie connaissance de Dieu, Satan est toujours derrière. Remarquez, comme nous avons parlé du jardin d'Eden, Dieu dans son amour, il a pensé pour l'homme. Avant tu pensais pour l'homme, Dieu a planté le jardin d'Eden. Il a tout placé dans le jardin d'Eden. Tout c'était pour l'homme. Après Dieu va créer l'homme et placer cet homme dans le jardin d'Eden. Mais remarquez très bien que après tout ce que Dieu a créé, après avoir placé l'homme, comme le bien-aimé qui nous a fait cette lecture la nuit, chaque chose que Dieu a créée, après avoir créé, il disait cela était bon. Mais vous allez remarquer que Satan était aussi là. Derrière tout ce que Dieu a créé, lui était là. Derrière tout ce qui était de précieux devant Dieu, Satan était là. Quand le couple était en harmonie, dans le jardin d'Eden, lui, Satan aussi était là. C'est pourquoi le bien-aimé Pierre dit qu'il est rose. Il ne s'éloigne jamais de nous. Il ne peut en aucun cas s'éloigner de nous. Parce que la Bible dit qu'il est là pour un peu de temps. Animé d'une grande colère. Et comme
comme à la coutume. Car les enfants de Dieu se présentent devant le Seigneur. Les enfants de Dieu se présentent devant leur Dieu. La Bible précise que et Satan vint aussi. Dieu prend son temps de parler avec lui. Il a dit, je l'ai vu. Le Seigneur dit, c'est un homme intègre et craignant Dieu. Le Seigneur dit, Job était un homme intègre et craignant Dieu. Satan accepte que Job craignait Dieu. Quand vous craignez Dieu, Satan est au courant. Il sait que cette personne craint Dieu. Mais regarde la manière de minimiser ce que Job était. Il va dire à Dieu, oui, c'est vrai, mais je suis sûr, si Job marche dans la crainte de ton nom, ce n'est pas parce qu'il a en lui la crainte de ton nom. Ce n'est pas parce que la crainte de ton nom, c'est sa nature. Il te craint parce que tu lui assures la protection. Sa protection est celle de sa famille. Il précise bien. Si Job marche dans la crainte de ton nom, ce n'est pas parce qu'il t'aime. C'est seulement parce que toi, lui et sa famille sont en sécurité. Sont en sécurité par toi. Donc il y a des gens parce que dans leur famille ils n'ont pas connu la mort, ils n'ont pas connu d'accident, et ces gens viennent prier. Ils aiment Dieu parce que quand vous lui posez la question, mais c'est lui qui nous protège. Satan le fait aussi. Cela n'a pas suffi. Il va continuer. Il va dire à Dieu, non seulement tu le protèges, mais il dit à Dieu, tu as béni le travail de ses mains. Donc, Job, le travail de ses mains était béni. Tout ce que Job faisait, réussissez. Quand vous réussissez, le travail dans tes entreprises, dans tes commerces, dans votre église, Satan le sait. Amen. Amen. Satan sait que tu es en train de réussir. C'est ce qu'il dit à Dieu. Je ne crois pas que c'est par la crainte, par l'amour de ton amour que Job te craint. Mais si Job te craint,
c'est seulement parce que tu as permis tout ce qu'il fait dans, le, dans son travail. Certains est en train de détailler la vie quotidienne des gens. Ceux qui pensent que je cache ces choses pour que Satan ne soit pas au courant, Satan c'est un esprit. Il voit tout ce que tu fais. Quand tu fais les choses, ne faut pas dire aux gens, même au pasteur, même aux hommes de Dieu, ça parle beaucoup, ça parle, alors des mots que le sorcier profite, comme je vous avais dit, un sorcier c'est tout un esprit. Satan est en train de détailler la vie quotidienne des gens. Troisième chose, il dit encore, tu sais tout le pot. Donc tellement que donc même ses mains sont bénies. Alors ce troupeau se multiplie et couvre le pays. Donc Job, là il fait quelque chose. Là il faisait quelque chose. Si c'était pour élever le troupeau, le troupeau se multipliait et couvrait tout le pays. Et tout le monde voyait le troupeau des gens. Le troupeau des gens n'était pas caché sous la table. Mais le troupeau des gens était sur la table. Tout le monde voyait le troupeau des gens. Écoutez dans la continuité. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire Alomini. Il dit Alomini. Mais, porte donc la paix contre lui. Satan va proposer à Dieu. Satan a commencé à dire ça. Porte la main contre Job. Touche Siva à tout ce qui lui appartient. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Ce sont des passages que vous avez toujours lus. Je fais que répéter ce qui est écrit. Mais Satan va proposer à Dieu porte ta main sur lui. Porter la main sur Job, c'est quoi? Toucher tout ce qui lui appartient. Toucher tout ce qui lui appartient. C'est que la mort entre dans sa famille. Et que tout ce que sa main fait ne soit plus permis. Et que ce troupeau ne se multiplie plus. Alors Satan dit, je suis sûr, sûr et certain. Job ne craindra plus son nom. Job ne marchera plus dans l'intégrité. L'Éternel permet à Satan maintenant de toucher Job.
Remarquez que Satan demande la permission à Dieu pour toucher tout ce qui appartient à Job. Je précise tout. Je répète encore tout. Car il a dit à Dieu tout. Tellement qu'il risait. Lui savait de quoi il parlait. Quand vous lisez votre Bible, quand il dit tout, ce sont ces trois choses que nous avons détaillées. Mais or, il avait une quatrième chose qu'il avait cachée. Il n'a pas cité quand il citait les choses que Dieu va toucher. Mais notre problème aujourd'hui est de vous faire voir que Satan reçoit la permission de la part de Dieu de toucher tout ce qui appartient à Job. Dieu, quand Satan lui a dit, touche ce qui lui appartient. Mais Dieu était capable seulement de toucher. Mais ce n'est pas ça la procédure. Dieu touche parce qu'il faut bien lire la Bible. Satan dit, je suis dans le verset 12. D'abord dans le verset 11. Il dit, mais porte donc la main contre lui. Satan ne dit pas, moi je porterai ma main contre lui. Mais Satan dit, toi l'Éternel, yo Yahweh, porte la main contre lui. Est-ce que vous comprenez? Il dit, Satan dit à Dieu, porte la main. Maintenant, Dieu doit porter la main contre Job. Or, quand Dieu porte la main, nous voyons que c'est Satan qui va exécuter. Vous comprenez ça? J'aime bien répéter parce que c'est là où il y a des petits soucis. Ça, c'est ça ce qu'on appelle la délivrance. Tu dois savoir comment Satan travaille. Et comment il, quelles sont ses limites. Regardez bien. Il dit à Dieu Satan, porte la main contre lui. Et Dieu accepte cela. Alors, il a fallu maintenant que Dieu porte la main contre Job. Donc, Dieu pouvait seulement déclarer, à partir d'aujourd'hui, tout ce que Job avait, c'est là pour lui. C'est là où la Bible dit, nos voix ne sont pas les voix de l'Éternel. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et toucher le toucher de Dieu, il permet alors Satan. Donc Satan qui est parti, c'était la main de l'Éternel. Il dit à Satan, bon, vas-y. Touche. Simba. C'est bien.
ses enfants. Toutes ces choses. Mais Dieu lui dit, ne touche pas son âme. Mais ce qui est comme le pain, tu as laissé le droit de toucher. Yo, Simba, pour qui a pour Simba, et toi? Tu me déclares, Satan se retire. Satan a mis Benti pour aller exécuter. On a pour qu'elle est pour qui ça? Son travail de troubler les couples de Jean. Mosala, il y a pour qui a pour Boulou Katina, il y a pour troubler d'abord Jean. Pour qui a pour troubler la famille de Jean. Parce que c'est ça son travail. C'est ça son métier. Quand Satan entre dans une église, quand Satan entre dans une famille, son problème c'est troublé. Son problème c'est troublé. Il a des choses à laquelle il doit attaquer. Oui, il sait que s'il attaque ça, tu es complètement troublé. Je crois que maintenant, chacun de nous est bien assis. Nous voulons commencer maintenant à marcher là-dedans. Mais remarquez comment les choses se sont passées. Vous voyez que, avant d'abord de voler un peu, regardez clairement les choses. S'il sait, je parle lentement. Je me maîtrise pour ne pas me bousculer moi-même. Pour que toute personne soit attentive, parce que c'est là où nous travaillons. Ce qui est grave, c'est que Dieu permet à Satan, Satan devient la main de Dieu qui touche Dieu. Dieu permet à Satan de toucher aux gens. Il y a des choses que Dieu ne fait pas lui-même. Et ces choses-là, il permet à Satan de les faire. C'est ce que je vous ai dit. Si par exemple, une situation vous arrive dans la vie, et vous revenez le matin, l'enfant est malade, l'homme est malade, l'enfant est malade, la famille est malade, demain c'est la mort, le lendemain c'est la mort. Parce qu'il y a des familles qui font que perdre des hommes. Et c'est connu de chacun. Alors, comme c'est à la fin de l'année, ici, on commence à se regarder. Peut-être que c'est lui qui va partir. Donc, la mort entre. Et quand la mort entre, il n'y a pas, il y a que Satan qui dit, même si cela a été connu de Dieu. Mais pour exécuter cela, c'est son domaine. Deuxième chose. Vous devez encore retenir. Et c'est quelque chose qui m'a fait. Toi qui résistais dans tes affaires. Quand tu allais chercher le diamant, tu résistais. Quand tu allais faire de l'or, tu résistais. Quand tu allais faire ton commerce, le marché des choses allait vite. Quand tu travaillais,
Tu y avais toujours de grâce. Yo, tu étais aimé par ton chef. Yo, les choses marchaient toujours pour toi. Tu peux te réveiller le matin. Tu as toujours donné la dîme. Tu as toujours donné le franc. Comme Job le faisait. Il le faisait même pour ses enfants. Écoutez très bien. Pendant qu'il faisait toutes choses, il se réveillait le matin. Ses troupeaux, ça marchait. Vous apprenez que votre magasin, ça marche. Dans les affaires que tu avais dans le diamant, ça marche. Vous voyez qu'au travail, le travail est arrêté. Et dans la maison, il y a des troubles entre toi et la femme ou avec ton mari. Je t'informe que l'exécuteur de toutes choses, c'est Satan. Même si cela est connu de Dieu. Amen. D'abord, l'exécuteur, c'est celui-là. Quand vous vous réveillez le matin, toi qui es tout le temps sous le temple. Et tu sers le Seigneur. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui te posent des questions. Je donne la dîme. Je prie. Je crains Dieu. Mais comment il arrive que rien ne marche dans ma vie. Et quand il y a de telles choses, dis-toi dans ta tête que l'exécuteur de ce plan, c'est Satan. C'est là, entre dans la parole qui dit, Satan est animé d'une grande colère, malheur aux habitants de la terre. Sachant qu'il a un peu de temps. Et dans un peu de temps qu'il a, il viendra pour troubler ton ministère. Il viendra pour troubler ton église. Il viendra pour troubler ton travail. Il viendra pour troubler ta maison. Ce n'est pas ton frère qui trouble ta maison. Ce n'est pas ton mari qui trouble ta maison. Ce n'est pas ton chef qui trouble ton travail. Non, il y a un plan qui est connu de Dieu. Tu vas relâcher la persévérance. Tu vas relâcher le zèle que tu avais pour Dieu. Tu seras découragé. Tu verras que le zèle que tu avais, la confiance que tu avais envers Dieu, ça partira. Tu vas commencer à fréquenter l'église. C'est pourquoi il faut que tu saches qui est celui qui trouble ton église.
Qui est celui qui trouble ta maison? Qui est celui qui trouble tout ce que tu fais? La première chose, nous disons que c'est Satan. Mais quelque chose que nous devons retenir. Comment lui, Satan, arrive à réaliser ces choses? Je donne un verset que vous maîtrisez tous. Un jour, Dieu assis sur son trône. Un serviteur de Dieu, un roi n'écoutait pas. Il Dieu cherchait qui peut l'aider à casser ce roi-là. Vous le connaissez dans le livre des rois. Le roi s'appelait Akab. Souvent quand j'ai lu ce passage, j'ai manqué la force de tuer Akab directement. Est-ce que Dieu est incapable de détruire Akab par le souffle de Dieu? Par le souffle seulement. Non. Mais Dieu va se poser la question. Assis sur son trône, qui peut aller séduire Akab? Parce que Dieu ne voulait plus voir Akab. La Bible dit, un esprit, un ange, se présenta devant Dieu. Cet esprit dit, moi. Et l'esprit dit, quel dit à l'esprit? De quelle manière que tu le fais? L'esprit dit, je serai le mensonge. Je serai le mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui entourent, tous les prédicateurs qui entourent Akab. Remarquez comment c'est un menteur. Nous allons plus loin. Dieu lui dit, va. La Bible dit que Dieu a envoyé l'esprit de mensonge pour aller séduire Akab. Cet esprit dit, je serai le mensonge dans la bouche. Et Dieu dit, Dieu permet. Regardez encore. Là, il y a encore la permission de Dieu. Dieu voulait casser Akab. Mais la voix qu'il utilise pour casser Akab, il y a un serviteur qui est appelé à exécuter quelque sale chose. C'est pourquoi beaucoup de nous prêchent. Beaucoup d'entre nous disent, prêche ceci. Qui dirait que quelque chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Le mot et le bien, c'est Dieu qui le permet. Mais il y a quelque chose à laquelle il faut faire beaucoup attention. Quand ces choses arrivent dans notre vie, je ne dois pas dire, Seigneur, je te remercie parce que cela m'est arrivé. La mort entre dans ma famille, entre dans mon église, la pauvreté entre dans mon
pauvreté entre dans ma famille. Les choses ne marchent plus. Quand je viens, je dis, Seigneur, toi-même tu sais. Je te bénis parce qu'il est écrit, il rendait grâce à Dieu en toutes choses. Ne faut pas le faire. Ne faut plus faire une telle prière. Tu le feras après. La première des choses, c'est chercher à savoir pourquoi Dieu a touché. Pourquoi Dieu a touché. Dieu a touché à travers Satan. Satan est venu seulement exécuter. Mais la personne qui a permis, c'est Dieu. Et quand Dieu permet, il le permet pour un but. Même quand il permet qu'on touche Satan, c'est avec un but. Dans le verset 17, il parlait encore.
lorsque notre messager arriva, là c'était des chaldéens. Des chaldéens répartis en trois bandes. Ils sont précipités sur les chameaux. Et ils ont enlevé. Ils ont tué tous les serviteurs à coups d'épée. Je suis le seul à avoir pu m'échapper. Troisième serviteur. Nous voyons que c'était le chaldéen. Il y a eu le sabéen. Il y a eu la foudre. Et aussi le chaldéen. Mais suivons maintenant le verset 18. Il me parlait encore. Lorsque un autre messager arriva, il dit, pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un grand vent est arrivé. Et le vent a touché les quatre coins de la maison. Les quatre colonnes de la maison. Et la maison est tombée. Et quand la maison est tombée, tous tes fils, tous tes enfants sont morts. Jacob n'a plus rien. Ils sont quatre, ces quatre messagers. Et j'aime bien répéter quand je parle de ce sujet. Ils sont venus pour détruire. C'était des sabéens. C'était la foudre. Satan est passé par le chaldéen. Satan est passé par le sang. Satan est passé par la foudre. Satan peut utiliser toutes ces quatre choses pour détruire. Est-ce que vous voyez ça? Vous ne me direz pas, frère. Pendant que le serviteur qui voyait la chose, pendant qu'il voyait, il a vu Satan venir. Il n'a pas vu Satan venir. La Bible dit, il voit un peuple venir détruire. La Bible dit, il voit le châtelet venir détruire. La Bible dit, il voit le vent venir détruire. Satan prenait le vent. L'esprit entre dans le vent. L'esprit entre dans le sabéen. L'esprit entre dans la foudre. L'esprit entre dans le vent. On ne voit pas Satan. Mais on voit les choses que nous connaissons. On voit les choses que nous connaissons. Or, dans les choses que nous connaissons, Satan est là. Avec la mission de vous détruire. Je répète encore une fois. Si tu crois que tu verras Satan venir, ça tu sais que le catholique est un Satan. Nous sommes frères et sœurs.
Mais maintenant il y a des gens quand on dit chassons les démons. Il se représente un homme noir avec quatre cornes de gauche à droite. Ça peut être tes passages chez toi. Peut être tes passages dans votre église. Vous le chassez, lui il est là, il sait que vous êtes dans son camp. Je le répète encore. Physiquement, Job et ses enfants n'ont pas vu Satan comme qu'ils étaient devant le trône de Dieu. La Bible dit que Satan se retire. Dans des choses que Dieu a créées et que vous connaissez, vous voyez. Quand Dieu avait créé le serpent parmi tant d'autres
Avec une mission.
avec ses disciples. Voilà comment tu es avec le moment où on a eu pour les disciples. Or, ces disciples-là, ils ont fermé déjà le pouce. Et c'est ainsi que Satan, quand il a vu qu'ils étaient séparés, il est venu encore. Jésus dit, je ne vois, il est venu. C'est pourquoi le premier, le deuxième Adam était spirituel. Le premier Adam n'a pas pu avertir sa femme. Pourquoi
pourquoi Dieu avait donné à Judas la caisse? Il y a des prédicateurs qui prêchent des faux temps disant, il tant que Dieu l'aimait beaucoup, il a fait de lui-même des diables. Avec un but. C'est ça l'évangile éternel. Le pourquoi de chaque chose. Quand tu crois un prédicateur d'un groupe, tu crois un groupe. Qui fait le bruit? Dis lui seulement. Tu es avec donné la caisse d'argent à Judas. Je quitte mon église, je deviens membre de ton église. Il va aller au salon, il va aller dans la chambre. Parce qu'il ne sera pas dit. Quand tu connais, le Seigneur a donné cet argent. Parce que cet homme-là était le propos. Le dépôt du mal. Et la Bible dit, remarquez comment la Bible dit, le Saint Paul dit ceci. Le Saint Paul dit ceci. L'amour de l'argent, c'est le racine de tous les mots. Le fait qu'il lui avait donné l'argent, nous le savons déjà, c'est un démon. On n'a pas besoin qu'il promette. Non, nous, on n'a pas besoin. Il était l'incarnation du diable. Jésus pour éclairer encore bien la chose. Le jour qu'on a donné l'argent, que la femme là est venue. Cette femme là est venue. Avec le parfum. Quand il a parfumé, lui était là. Dieu avait fait ça expressément. Pour qu'il révèle que il avait l'amour de l'argent. Or, l'amour de l'argent, la racine de tout le monde. Judas, c'était la racine de tout le monde. Or, la racine de tout le monde, Satan lui-même. Regardez frère, Satan n'est pas à l'aide de cochons. Il est venu prendre un corps que Dieu avait fait. De la même manière que Dieu avait pris le corps de Jésus, lui aussi a pris le corps de Judas. Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? D'abord, vous comprenez les choses. Je n'ai pas encore dit sur le cadre là. Ici, je voulais d'abord vous expliquer
que quand diable vient, quand Satan fait travailler, quand Satan fait te détruire, regarde, il prend le corps de Judas, il embrasse Jésus, Judas qui marchait avec Jésus, Judas qui buvait avec Jésus. Combattre les choses. C'est pourquoi, vous savez, comme Jésus savait que celui qui était dans Judas, ce n'était pas Judas, c'était Dieu lui-même. Amen. C'était un Dieu. Mais pas comme lui. Remarquez ce que je vous enseigne. C'est ainsi que quand on est venu arrêter Jésus, on est venu arrêter Dieu. Pierre prend l'épée pour couper l'oreille. Jésus lui dit, ça ce n'est plus ton combat. Ça c'est mon combat. Que l'oreille rampe. Toi, ton temps arrivera. Quand on me touche, c'est moi-même qui combat. Parce qu'il savait que ici, il avait le problème avec cet esprit-là que je vous dis. Autre chose, frère. Maintenant, il faut que l'église, c'est là où je tiens à vous dire. L'église doit avoir le temps de discernement. L'église doit avoir le temps de la prophétie. Dans l'église, on doit avoir le temps de l'esprit. Et ces temps doivent être opérationnels. Il faut que Dieu ouvre tes yeux. Et quand Dieu n'ouvre pas tes yeux, tu vas embrasser Satan. Regardez comment Jésus dit. Et Judas est venu aussi embrasser Jésus. Jésus mange avec lui. Jésus le laisse manger. Mais il dit, l'un de vous qui mange avec moi, l'un de vous, Jésus le connaissait. Jésus le connaissait. Dans le serviteur de Dieu, ne sait pas là où Satan entre pour le couler. Pour faire tomber l'œuvre. Pour écrouler ta maison. C'est ça le danger. C'est ça le danger. J'aimerais vous dire que nous devons être ouverts. Avant maintenant, l'œil ouvert. Pour toutes les choses. Remarquez maintenant pour séduire. Pour entraîner Adam. La nature pour entraîner Adam, c'est la femme, serpent. Écoutez bien, le serpent, l'esprit entre dans le serpent, il prend la forme. Je ne veux pas provoquer les gens ici parce qu'on va gagner le temps. Il prend la forme. Comme je l'ai dit, à fond de l'oreille. Il nous parle avec la femme. Écoute la femme. La femme reçoit, écoutez bien, la femme reçoit la semence du serpent.
dit mon pote la nyoka. Le serpent a eu une semence. Nyoka a fait dans mon pote. Il a déposé sa semence dans le champ appelé Il a dit mon pote na e kach na ilanga. Il va avec. Akeya mon pote wana. Vis à vis de son mari. Et pas ya mobali na e. Le mari mange la semence. Mobali a lay mon pote wana. Le chaos entre dans le jardin. Pourquoi e koti kach na ilanga. Quand Dieu peut parler avec l'homme. Na temo zambe akosolo na mobali. Dieu dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix du serpent. Mais vous refusez comment? Mais c'est la même chose. Vous voyez, vous refusez? Je ne gère plus. La Bible dit. Le Dieu dit à l'homme, et pas à mobile, parce que tu as écouté la voix de différents. Voyez de l'homme, on n'a pas dit mon ça fait qui ici? Et qui va m'envoyer? C'est que, oh Dieu, Ève a amené, Ève a amené, ce n'était plus sa parole. Et là, il dit qu'il va l'écrire. Elle va emmener la parole que le serpent lui a dit. Vous refusez pourquoi? Vous êtes sûr que la défensive? Vous allez voir comment dit ça? Amen. Donc, c'est quand Dieu dit. Parce que tu as écouté la foi de ta femme. La voix de la femme, c'est quoi? C'est ce qu'on lui a dit. Si nous mangeons, nous deviendrons et nous ferons, nous serons égales à Dieu. Il a eu ça. Amen. Il y a un mec qui ne veut pas dire ici. Amen. Charles. Amen. Amen. Jean-Paul. Amen. Si je vais aller vite. J'explique. Parce que quand je vois les gens ne saisissent pas, je répète. Je vais venir lentement. Quand la femme a mangé le fruit, il a donné aussi à son mari. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Maintenant, quand Dieu commence à les juger, Dieu dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme. La femme n'a pas une voix. La femme, c'est un chant. La voix de la femme, c'est la voix de l'homme. La voix de la femme, c'est la semence qui est en amen. Pourquoi si tu vois ta femme, toi tu dis Jésus-Christ est Dieu, elle dit non, elle n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu, il est son père. Je dis à ta femme, la femme ne peut pas prêcher. Elle vous dit, moi je veux prêcher. Elle n'a pas la voix de son mari. Cette femme, elle est infidèle. C'est une femme infidèle. C'est une femme infidèle. La femme
nous savons très bien que l'homme a accepté de pécher avec sa femme face à l'amour. Là nous le savons. Et quand nous entrons dans la nature, qui a donné le fruit, la parole à la femme? Il n'osait pas avancer. C'est le serpent. Et là, Nyoka. Le serpent qui a donné. Nyoka est à Pesaki. À travers une personne interposée. Nanzela y a motomoko la katikati. La personne interposée. Motomoko la katikati. Satan. Satan. Pour avoir l'homme. Pour l'avoir. Il est passé par la femme. La femme, moi aussi. Nous allons voir comment Satan est rusé. Donc on a dégagé Satan dans la maille. Quand Satan vient, dans le sabbat, et pas dans le sabbat, il ne rusera pas ta voix. Il passera dans le chalet. S'il ne rusera pas ta voix, il passera par la foudre. Passera par le vent. Tout ça, il a fait la négation pour ta voix. Mais il faut que Dieu te guérisse de la négation. C'est ce qui s'est passé. Israël, le peuple de Dieu, quand il sortait, c'est un peuple que Dieu conduisait. C'est un peuple que Dieu dirigeait. Il va dire à Balaam, viens, va maudir Israël, va troubler Israël. Quand Satan vient te troubler, il va utiliser même la beauté. Satan incarne, s'introduit dans un chef politique appelé Barak. Dans un politicien appelé Barak, bien renommé. Il se dit pour avoir Balaam. Alors il pour la cause Balaam. Il faut une telle personne. C'est quel mot tu as dit? Une telle personne. C'est quel mot tu as dit? Mais quand Balaam fait, il dit à Balaam. Aïe si Balaam. Ça, je ne veux pas les faire souffrir tous les frères de l'histoire. Ah oui. Je ne veux pas faire souffrir les frères de l'histoire. Ah on a ah on a. Et je vais mettre un peu de la soupe. Balaam partait pour aller maudire les enfants d'Israël. En venant, il était sur son amesse. Maintenant, comme Dieu ne voulait pas, Dieu lui-même lui est apparu. Donc la messe voit Dieu. L'ange l'a gagné sa vie. C'était l'Éternel lui-même. Et quand il a vu l'Éternel, l'Éternel ouvre sa bouche. Ce n'était pas la messe qui parlait. C'était Dieu lui-même qui parlait. Qui parlait quand nous lisons les Écritures.
nous mourrons. Quand nous descendons, jusqu'à la fin, vous verrez que l'ange là, c'est un ange de l'Éternel. Et c'est cet ange là qui lui a ouvert la bouche. Et l'ange a parlé. Et quand on mange le bâti, vous savez ce qui s'est passé? Dieu, dans son amour, Dieu lui-même permet encore Balaam. Après avoir corrigé Balaam, il envoie Balaam. Ne rentre pas. Va. Mais tu vas leur dire ce que j'ai la sécurité. Ce que je te dis. Sexual.
acte sexuel. L'acte sexuel empêche toujours Dieu de travailler dans nos vies. L'acte sexuel. Est-ce que vous comprenez cela? Je n'ai pas encore dit Bundumba. L'acte sexuel. C'est pourquoi vous verrez. Lisez dans votre Bible. Le Seigneur dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit que le corps de la femme appartient à son mari. Le corps de son mari appartient à sa femme. Mais vous ne privez pas les uns les autres. Vous vacuez à la Natango yo bokoti katika balusambo. Est-ce que vous comprenez cela? Même entre hommes les mariés. C'est pourquoi vous serez des mariés. Ils sont puissants. Mais ils ne font pas la tutelle. Ils ne font pas la publicité. Mais l'acte sexuel c'est comme un pain. Comme les habitants qui vont manger tout le temps. Le Seigneur dit, quand vous voulez prier, arrêtez. Pourquoi arrêter? C'est ça. Oh non, il est écrit, c'est ma femme. C'est ta femme. Mais aussi longtemps que quand tu veux obtenir quelque chose de la part de Dieu, et tu fais la sexualité, ta prière n'aura pas beaucoup d'efficacité. Lisez dans la Bible. Il y avait des rois. Il y avait un roi dans la Bible. Quand il a cherché que Daniel soit arrêté, qu'il souffre. Dans son cœur, il ne voulait pas ça. Il ne voulait pas voir la souffrance de Daniel. La Bible dit, quand il est rentré chez lui, il s'est retiré de vie de sa femme. Il s'est retiré. Les gens qui priaient dans la Bible ne sont plus gentils. On vous dit qu'il revêtait le sac. Il s'est jeté par terre. C'est-à-dire se priver de l'acte sexuel. Imaginez-vous. Déjà quand vous êtes marié. Le Seigneur vous dit que quand vous priez. Ne faut pas le faire. Mais imagine-toi, toi qui n'es pas marié. Et qui le fait en coulisses. Parce que dans ces églises, il y a des gens qu'on n'a pas encore arrêté. La Bible dit que les péchés des autres, vous le voyez. Les péchés de certaines personnes, c'est encore caché. Mais je vous dis, dans les assemblées de saints, la première piste du diable, c'est la sexualité. Vous allez voir que cette chose-là, que Dieu nous le dit, vous lisez la Bible. La Bible dit, quant à d'autres péchés, vous avez résistez. Amen. On nous résiste. Mais quant à l'impudicité, la Bible dit, le serviteur, amen. Amen. Aujourd'hui, des pasteurs, des docteurs, des apôtres, des communautés, l'Assemblée des Saints, ils sont presque tous, je dis presque tous, dans l'adultère et l'impudicité.
Nous avons des frères qui vous condamnent, frères, pour nous prier pour nous.
comprends d'abord que tu es sur la piste que Satan a engrandi. Je sais qu'aujourd'hui vous ne serez pas content. Ça c'est la prédication que les gens n'écrivent jamais. Amen. À part le Fils de Dieu. À part le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu sont contents. Même en déprimant de toi-même. Lâche la vérité. Amen. Nous devons prier pour que nos assemblées de saints aient une bonne réputation. La réputation est mauvaise. On parle toujours de cette piste-là. Regarde-nous en face. Nous sommes que des champions de chasser. Soyons les chansons, les champions de délivrance. L'Église doit avoir la vie. La vie est communiquée à tous ces gens. Que Dieu vous bénisse. Équilibrez la manne ramassée dans le désert des sortes que chacun un homme. Si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, si vous voulez qu'il vous réponde en particulier, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si son numéro est disponible sur ce vidéo ou sur le site. Sinon, contactez-nous et nous transmettrons votre préoccupation. Nos contacts sont visibles depuis le site. N'oubliez pas aussi, en tant que chrétien, votre devoir d'évangélisation. Venez évangéliser avec nous en soutenant financièrement cette œuvre évangélique, Christ Equality Foundation. Pour le faire, tapez sur christequality.com/evangelisation.html. Donnez à Dieu ce qui se trouve dans votre main, et il vous donnera ce qui se trouve dans la sienne. Recherchez-vous les enseignements du Dr Albert Callo? Allez sur christequality.com/albertcallo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à notre première YouTube channel, Évangile Éternel. Puis souscrivez ensuite à notre seconde YouTube channel, Christ Equality. Souscrivez s'il vous plaît. Pour retrouver les enseignements de tous les ministres en ordre, allez sur évangileéternel.com ou sur christequality.com. Faites-nous savoir si vous éprouvez le besoin de traduire ce vidéo en d'autres langues pour conquérir une audience mondiale. Que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. Évangileéternel.com. Le signe de l'Évangile éternel.